Ici Heavy Metal Chaos. Après 9 mois de carnage, de chaos en 4 coins de la province, devinez quoi? Nous sommes encore champions. Fait que tout le monde qui pense avoir une chance au titre, 120 boulevard du Séminaire à Sainte-Thérèse. Vous la voulez? Venez la chercher. Alors, uno momento, fans de la NCW, bienvenue dans la loge privée du commissaire Joey Soprano, la loge où seulement l'élite de la NCW, les VIP de la NCW ont le droit d'avoir lieu. Alors, pour commencer, j'ai ici nouvellement approuvé Soprano, mon client le plus frais de la NCW, Handsome GF. Vous voulez savoir pourquoi il est approuvé Soprano? Vous allez le savoir plus tard, ça c'est pas important pour le moment. Ensuite, nous avons la Striker, la plus grande championne de la NCW, la plus grande championne de l'histoire de Femme Fatale, parce qu'elle est approuvée Soprano. C'est la seule Femme Fatale qui est approuvée Soprano. Regardez comment elle est belle. Ah, oh, puis t'es belle aussi, Stéphanie, hein? Oublie pas ça, hein? Alors, mesdames et messieurs, c'est une nouvelle ère ici à la NCW. Joey Soprano, il y a toujours un plan. Joey Soprano, même si j'étais ça de proche d'avoir le championnat de la NCW, le championnat québécois de mon bord, ça reste que maintenant que Stéphanie Sinclair, c'est la championne NCW Femme Fatale, ce championnat est maintenant le championnat le plus important de la NCW. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle est avec Joey Soprano. Parce que Joey Soprano est l'homme le plus important de la NCW. C'est moi qui contrôle tout ici. Et il n'y a rien qui va changer. C'est une nouvelle ère, mais qu'est-ce qui ne change pas? C'est que Joey Soprano, il sera toujours le commissaire de la NCW. C'est toujours Joey Soprano qui a le dernier mot. Et pour en terminer, madame, monsieur, ce message est approuvé Soprano. Maintenant, sortez de ma loge! Sortez! Non, tu peux pas. Ouais, c'est fini, t'as eu ton temps, là. T'as perdu. T'as encore perdu. On passe des heures et des heures à te former pis t'écoutes rien. Silence! Citoyens, parce que le peuple a besoin d'être guidé. Chaque gars d'armée peut perdre des batailles, mais a le devoir de remporter la guerre. Ce qui s'est passé ce soir, c'est inacceptable. Mais on va continuer de s'investir en Devlin pour qu'il soit puissant, dominant et obéissant. Hey, Shady Urban, récemment, là, t'as prouvé à tout le monde, là, tout que t'étais prêt à tout pour prêt gagner, tout. Tout. Y'a pas de limite, man, pas de limite. Pas de limite. Même passer à travers les punaises. Ouais, si j'étais là pour t'aider. Ah oui, t'étais là. C'est fou, on est rendu comme des mastermind, man, les kings du plateau. Oh yes, pis on challenge n'importe qui de venir un jour de l'Institut Bluffé pis de dire que c'était pas le championnat intercité, le meilleur match sur la carte. Parce qu'on est là, on est les lutteurs les plus complets à la NCW. J'ai mon entourage, oh puis yeah. Je suis capable de parler, je suis capable de lutter, je suis capable de tout faire, je suis prêt à tout. Donc venez-vous au show de la NC, puis on va vous le voler votre show, on va partir avec oh un yes. Lutteur. That's it, bébé, viens t'en, on a un speak du monde connu. On s'en connaît. Vous voyez? This is heat. Ça c'est la chaleur. Merci beaucoup parce que je vous fais réagir. Because I am the best wrestler in Quebec today. Shut up, stupid. Conspiracy. C'est la conspiration. A challenge me. Shut your mouth. I don't care. Look. À Challenge Mania, moi, j'étais supposé être dans un match number one contender. Puis qu'est-ce qui arrive? Il m'enlève du match pour aller contre Green Center, Bolt Center. Je mérite mieux que ça. Chaque fédération que je vais participer dans,
Mais cette place-là, la NCW, je commence d'être un petit peu tanné. Tout le monde le sait, j'haïs NCW au fond. Puis qu'est-ce que je vais faire les prochaines semaines? I'm gonna close NCW. Il n'y aura plus de lutte à Sainte-Thérèse. Je veux gagner toutes les championnats ici, la triple couronne, l'intercité et le championnat québécois. Et quand je vais gagner toutes ces ceintures-là, je vous promets, regardez-moi bien, je te promets, quand je gagne les ceintures de la NCW, je vais les jeter dans la poubelle, just where this federation belongs, because I am Blackout Brad Alexis, the only rapper, actor, wrestler in Quebec. I am the real Quebec champion, and NCW will respect me, and they will, Blackbird, pay me, you cheap sons of bitch. Il fallait qu'on parle. William Brady, I don't want any trouble. Got no problems with you. Listen, just business. I'm just doing a little bit of business here. You, I got no problems with. We're good, right? Good. On n'en a peut-être pas de problème, mais il y a une chose. C'est que si ta petite business, comme tu dis, devient qui a interféré dans la mienne, je peux dire que là, il va en avoir un problème. Oh, let me see. So you're a little bit threatened that I'm going to be the one who takes your spot, aren't you? Oh, I see how it is. Look. Hey, boys. On a un problème ici? Why are you touching me? On a un problème? No problems. Good. No problems. Good. Just business. No problems, boys. À Challenge Mania 24, j'ai démontré que Leon Saver méritait enfin une chance au championnat québécois de la NCW. Maintenant que j'ai remporté ce titre, vous avez également vu le 7 mai, quand j'ai défendu mon championnat contre William Brady et Chacal, deux des élites de la NCW. C'était pas facile, mais j'y ai parvenu. Et qu'est-ce que je veux vraiment en venir, c'est que je suis prêt à ramener le prestige du titre championnat québécois plus haut qu'il n'a jamais été. C'est pour ça que je demande à n'importe quel challenger de venir à la NCW. Je vais défendre mon championnat n'importe quand que j'ai besoin. Je vais te montrer à tout le monde que le championnat québécois est le titre à avoir partout au Québec.